ma chaîne, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture de mes petites cousettes que j'ai réalisées pendant mes 3 semaines de vacances. Il n'y a pas eu énormément, c'est pas des réalisations très compliquées. Je ne voulais pas non plus me mettre des coutures à faire pendant mes vacances. C'était vraiment histoire de dire quand on sortait pas ou quand on n'avait rien de prévu ou qu'il ne faisait pas forcément très beau. Au moins ça m'occupait quelques après-midi. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que par chez vous, il fait pas trop mauvais. Parce que ici en Normandie, il pleut. Je me suis pris une saucée en quittant du boulot. J'ai même cru que j'allais être obligée de changer mon t-shirt, mais non, ma foi, ça va sécher, pardon, le temps que je mange. Et là, il pleut, donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre la pluie qui tombe sur ma pergola, parce que ça fait du bruit. Donc si vous entendez, je suis désolée, mais j'essaye d'ouvrir un petit peu pour faire courant d'air, pour que ça fasse un petit peu descendre la température dans la maison. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier des commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo dans le haul tissu. Vous avez été super adorable, gentil, toujours des petits mots bienveillants. Vous avez été contente de me retrouver, donc c'est agréable à lire. Et puis moi aussi, quand j'ai tourné ma vidéo haul, j'étais contente aussi de reposter une petite vidéo pour pouvoir partager avec vous mes tissus et puis aussi en commentaire, pouvoir papoter avec vous. Donc merci mille fois. Et puis aussi, ce que j'avais pas fait sur cette vidéo haul, souhaiter, je crois, il me semble que je ne l'ai pas fait, je ne me souviens plus, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, mieux vaut deux fois que pas du tout. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux, nouvelles, je pense que c'est plus nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne durant... ma petite absence de 3 semaines, un mois, pendant la période estivale. Donc vous avez été quelques-unes à vous abonner sur ma chaîne. Donc j'espère que mon contenu va continuer à vous plaire. Et puis voilà, on va continuer à avancer sur cette chaîne ensemble. Donc c'est parti pour la présentation de mes cousettes, du mois d'août. Donc j'ai réalisé, ma fille voulait un t-shirt plantain, hein, tout simple. Elle avait vu que j'avais un jersey de coton vert d'eau, vert menthe. Et puis la couleur lui plaisait, donc je lui ai réalisé un t-shirt plantain. Alors vous m'excuserez, le t-shirt n'est pas repassé. Hein. Je ne repasse pas les t-shirts, en plus elle s'en sert plus pour dormir. Donc, autant vous dire que je ne vais pas m'amuser à repasser un t-shirt pour dormir. Donc voilà, dans ce coloris, alors c'est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez. Là, il fait vraiment, je trouve, pâle, il est un chouille plus foncé, mais pas grand chose. Hein. Donc voilà, je l'ai réalisé en taille 36. Donc je pense que tout le monde connaît le t-shirt plantain de chez Direndo. Il va de la taille 34 à 60 maintenant. Alors, je sais qu'ils ont retravaillé le patron. Moi, j'ai toujours l'ancienne version. Donc, il me semble que dans la nouvelle version, l'encolure est un petit peu moins dégagée. De ce que j'entends dans les bilans couture, les podcasts que je regarde. Et... je crois qu'il est un petit peu moins large, je crois, hein, mais voilà, ça doit être, les grosses modifications qui ont été apportées au nouveau patron. Et ils ont augmenté leur gamme de taille parce que je crois qu'ils s'arrêtaient,
52, 54, je crois, quelque chose comme ça. Et là, ils sont passés jusqu'aux 60. Donc, ça, c'est chouette. Donc, c'est un jersey de coton que j'avais acheté chez Benitex. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 36 pour ma fille. Alors, en taille 36, je pense que je pourrais même lui faire en taille 34. Parce que quand je lui fais, vous savez, là où il faut mettre le patron au pli, je décale d'un centimètre. Donc je pense que je pourrais y passer en 34, mais bon, ça m'oblige pas à redécalquer parce qu'il y a des calques, si je ne dis pas de bêtises, donc de réimprimer. Donc voilà, je fais comme ça et puis bah, écoutez, ça va. J'ai fait mes surpiqûres à la double aiguille. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc, double aiguille à l'encolure sur les manches et sur le bas au niveau des ourlets. Ma foi, il a été lavé déjà deux, trois fois. Je touche la peau de singe. Ça a l'air de tenir. Ça n'a pas l'air d'avoir craqué nulle part. Donc, écoutez, pour l'instant, la double aiguille fonctionne. Donc voilà, le t-shirt plantain, hein, on ne présente plus. Vous n'aurez pas de photos portées. C'est très compliqué d'avoir des photos, même pas forcément avec des vêtements que je lui couds, mais des photos tout simples de ma fille. Alors, autant ils se prennent en photo, en selfie, machin, copain, copine, mais alors pour les parents, je ne sais pas les vôtres, mais alors c'est très, très compliqué d'en avoir. Donc, c'est vraiment en loose day, vous savez, hop. Mais sinon, c'est compliqué. Bah écoutez, c'est tout pour ce t-shirt. Ah oui, j'ai même fait des surpiqûres. J'ai même fait, alors c'est très rare que je fasse ça, mais j'ai fait aussi une surpiqûre à l'aiguille double là, au niveau des épaules. Donc, bon, ça fait un petit plus. Mais bon, ça n'apporte pas grand-chose de plus, mais voilà. Ça me faisait plaisir de le faire. Mais donc, j'arrive avec ma double aiguille. Hein, on ne va pas s'en priver. Donc, ensuite, enfin, vous savez que j'ai fait, je ne sais plus, peut-être pas le bilan couture le dernier, peut-être l'avant-dernier, enfin bref, je ne sais plus, où je me suis relancée à faire des shorts Tbilly. Et c'est vrai que je lui ai dit, j'avoue, hein, franchement, c'est hyper confort, ce shorty. Mais alors, moi, il me faut les élastiques au niveau des cuisses. Il est prévu 100, mais moi il me faut absolument les élastiques au niveau des cuisses parce que sinon, enfin, comme je vous ai dit, hein, moi, je passe mon temps à remettre le truc en place, donc c'est pas très bon. Quand on est tout seul, ça va, mais quand on est en société, c'est pas forcément très élégant. Donc moi maintenant, je mets systématiquement de l'élastique au niveau des cuisses. Et j'ai dit à ma fille, je vais t'en faire un. Tu me diras ce que tu en penses. Parce qu'elle, elle adore porter des caleçons d'homme, hein, oui, d'homme, et elle trouve ça confortable, elle est bien dedans. Donc je lui ai dit, alors forcément, ça ne descend pas comme les caleçons d'homme, mais au niveau on va dire de l'englobage des fesses, on n'est pas loin, enfin voilà, du caleçon. Donc je me suis dit, je t'en fais un. Et tu l'essayeras sur une journée et tu me diras ce que tu en penses. Donc, j'avais des chutes de jersey qui me restaient. Donc, je lui ai fait, je crois que j'en avais fait trois. Là, j'en ai retrouvé qu'un de propre. Alors, est-ce qu'elle en a un sur elle peut-être aujourd'hui? Je ne sais pas. Enfin bon, je vais déjà vous en montrer deux. Et donc, je lui ai réalisé en taille. Donc c'est un patron de Eclipse Lingerie Studio. Ça va de la taille double XS à 4XL. Les marges de couture sont comprises. Et là, je lui ai réalisé en XS. Et je lui ai fait la version, alors je ne sais plus si c'est la A ou la B, mais la plus haute. Voilà. Donc,
dans ce jersey de coton rose, je dirais rose bonbon. Voilà, hop. Et les élastiques apicots, ils viennent de chez AliExpress. Et sur les deux, les chutes de jersey, c'est chez Benitex. Donc, je vous montre, hop, le petit élastique apicot. Voilà, rose aussi. Donc, elle l'a essayé et elle m'a dit, oh, mais on est trop bien dedans. Donc, bah écoutez. Même si je ne prends pas mon pied à coudre des sous-vêtements, mais au moins ça me liquide mes chutes et puis ça débarrasse, ça prend de la place, mine de rien. Donc, une fois avoir réalisé, alors je ne sais plus si c'était celui-là le premier, hein, je ne me souviens plus, je lui en ai fait un deuxième. Hop, donc toujours dans la même taille. Elle m'avait validé la taille, la hauteur, tout était OK. Donc, même maintenant, quand elle est obligée, parce qu'elle en a trois, c'est ça, elle en a trois. Et donc, elle les met sur 3 jours. Enfin, elle a 3 jours où elle peut en mettre. Et les autres jours de la semaine, bah forcément, elle se retrouve à mettre les culottes qu'elle a, enfin les culottes du commerce ou les caleçons. Et quand t'as remis ses culottes du commerce, ça fait, ah ouais, franchement, c'est pas terrible les culottes du commerce. Ben ça prend moins la forme. Enfin voilà, ça englobe moins. Donc, va falloir que je trouve encore des chutes. Mais j'ai regardé, j'en ai plus. Il va falloir que je refasse des t-shirts pour avoir des chutes. Donc, le suivant, c'est dans un jersey, pareil de chez Benitex, couleur un peu chair, beige, enfin voilà, avec un élastique à picot noir. Voilà, bon, j'aurais pu mettre mon fil de canette en noir, mais bon, c'est pas grave. Et comme j'ai la même, alors sauf que moi, c'est la taille plus basse, mais bon. C'est pas la même taille non plus, mais des fois, quand on plie, on fait pas toujours attention. Donc, du coup, pour le sien, je lui ai mis un petit bouton sur le devant, comme ça, je sais que c'est à elle. Donc, voilà pour ces shorts Tibili. Quoi d'autre? Alors, je m'en suis fait un aussi comme ça en rose, le même, il n'y a que la taille qui change. Et puis bah, je vous dis, au niveau des chutes, j'en ai encore un pour elle qui est coupé, il reste plus qu'à le coudre. Et puis bah, je vais, au fur et à mesure que j'aurai des chutes, je vais lui en coudre comme ça, au moins ça va me liquider mes chutes. Donc pareil, bah, écoutez, vous n'aurez pas de vidéo portée ou de photo portée de ces petites réalisations. Donc on passe à la cousette suivante. Je voulais réaliser un débardeur. Donc j'ai essayé le débardeur Patrick de Mademoiselle Malabar. J'ai fait quelques modifications, comme je vous avais dit, au niveau des encolures, de l'emmanchure, tout ça. Mais enfin des bandes d'emmanchure. Mais je les ai mis, enfin j'en ai mis un la première semaine où j'ai repris le travail. Et alors, je pense qu'il faudrait que je passe peut-être sur la taille au-dessus, parce que au niveau de la poitrine, ici, je me sens quand même assez serrée, et il faudrait que je descende un petit peu l'emmanchure, ici, à ce niveau-là, parce que ça monte trop haut. Voilà. Quand je les ai essayés, voilà, 5 minutes pour prendre des photos, ça allait, mais sur la durée, sur une journée, voilà, je pense qu'il faudrait que je prenne la taille au-dessus. Donc j'ai voulu quand même essayer un autre modèle. Donc c'est le top éclair de Super Bison. Donc pareil, je vous mettrai, hein, je ne vous dis pas, mais je vous mettrai comme d'habitude les petits dessins techniques. Donc le top éclair de Super Bison en taille 38. C'est un patron qui va de la taille 34 à 50. C'est un patron qui est gratuit. Et les marges de couture sont comprises et il est de niveau débutant. Donc, il me restait, hop,
Il me restait une chute de cette viscose que j'avais eue l'année dernière à l'Olyshop. Donc, je me suis dit, je vais le tenter là-dedans. Voilà. Le bord-côte, hop, bleu marine, vous voyez peut-être noir, mais il est bleu marine de chez DS. Voilà. Donc, le col est en V. Vous pouvez faire aussi un col arrondi. Moi, j'ai choisi le col V. Je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve, au niveau de la pointe. Je ne sais pas si vous verrez. C'est pas trop mal. Le dos est l'encolure est en arrondi. Voilà. Et vous avez, hop, des petites fentes sur le bas, sur le côté, hop, de chaque côté. Voilà. Alors, c'est un patron, donc moi je l'ai fait en taille 38. C'est un patron, il taille très grand. Très grand. Même en suivant, je trouve, le tableau des tailles, je pourrais largement faire, je pense, le 36. Peut-être même voire 34. Ah oui, je pense. Il est très large. Les emmanchures, c'est pareil. Ça fait très large. Ça descend très bas. Donc, ça, c'est sûr, ce sera à modifier. Les bandes d'emmanchures, je les trouve trop larges. Il faudrait qu'elles soient, enfin, à mon goût, hein. Sont un petit peu plus fines. Voilà. Il est très long. Je sais plus de combien est-ce que j'ai marqué. Ah oui, je l'ai rétréci de 8 cm sur le bas. Oui, il est très long. Moi, il me descendait vraiment en dessous des fesses, hein. Ça, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ouais, j'aime bien noter, choisir une taille en dessous, voire deux. Ouais, donc soit 36 ou 38. Donc raccourcir la longueur, puisque de toute façon, je l'ai déjà diminué de 8 cm. Remonter les emmanchures, voilà, j'ai noté remonter les emmanchures de 3 cm. Donc c'est pour vous dire, de toute façon, vous verrez sur les photos portées. Ouais, 3 cm. Et diminuer la bande. La bande d'emmanchure, je trouve qu'elle est. Ça fait large. Autant sur le col, sur l'encolure, ça passe. Mais là, ici, je trouve que ça fait trop large. Diminuer la largeur des bandes. Ouais, de 1 cm. Ouais, c'est ce que j'ai noté. Donc après, c'est un chouette débardeur parce qu'il est. On peut le faire en chaîne et trame. Donc ça c'est pas mal, mais voilà, pour l'année prochaine, parce que là je vais pas en refaire un maintenant, mais pour l'année prochaine, si je dois le refaire, j'aurai pas mal de modifications à y apporter. Ensuite alors là ça se voit moins, c'est un peu moins prononcé je pense, mais le dos est un peu plus long que le devant. On voit un petit peu, mais c'est moins, je pense que c'est moins prononcé que sur le patron de base, étant donné que je l'ai raccourci. Voilà, rien d'autre à dire. Il n'est pas compliqué. On va dire le petit point, on va dire le petit point technique, c'est vraiment le V de l'encolure. Voilà. Mais sinon, rien de. C'est un chouette patron, hein. Une fois qu'on a bien trouvé ses modifications à apporter, s'il y a modifications évidemment, c'est un patron où il ne faut pas grand-chose en métrage. Donc c'est pareil, quand vous avez des petites chutes de chaîne et trame, c'est pas mal. Donc voilà, le patron éclair de Super Bison et je vous montre ce que ça donne porté.
une robe. C'est la robe Paula de la Maison Victor. Donc je ne saurais pas vous dire le magazine parce que j'ai été le télécharger sur le site Femme d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 56. Il y a des calques. Vous pouvez choisir avec les calques si vous voulez ou pas les marges de couture. C'est un niveau de difficulté 2 sur 4. Moi, je l'ai réalisé en 38 avec marge de couture et dans un lin indigo de chez Mondial Tissu que je vous avais présenté dans un haul où je voulais à la base en faire une combinaison et puis je me tâte toujours à faire les combinaisons. Je ne sais pas si ça va me convenir ou pas. Donc, bon, bah, du coup, j'ai changé mon projet. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de coudre le tissu. Donc, voilà. Hop. La robe pour là. Alors, je ne sais pas si je vais arriver. Alors, vous n'avez pas la bonne couleur, hein, du tout. Ce n'est pas du tout ça. J'essaierai de vous mettre une petite photo. La bonne couleur. Non, c'est pas la bonne couleur. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez sur cette robe une patte de boutonnage tout le long. Voilà, vous avez une ceinture où les poches sur le devant servent aussi de passant. Ça fait un petit peu comme si vous connaissez le short sunset de la Maison Victor. C'est le même principe au niveau des poches pour le passage de la ceinture. Voilà, vous avez une haute coulisse ici dans le dos. Vous avez des parementures, hop, pour la patte de boutonnage, au niveau de la patte de boutonnage et ici de l'encolure dos. Voilà, il vous faut des boutons et puis du biais pour finir. Hop, j'avais pas du tout les bonnes couleurs. Pour finir les emmanchures. Il me semble, alors pour ma taille, il me semble qu'il fallait 2 mètres, je crois, ou 2 mètres 10 de tissu. Moi, je n'avais qu'un mètre 80. Donc, j'ai dû, au niveau de la, je vais vous montrer, au niveau des pattes comment ça s'appelle? Est-ce que je l'ai marqué? Au niveau des. Attendez. Au niveau des parementures, voilà. J'avais pas assez, il manquait du tissu. Donc, sur le bas, il manquait quelques centimètres, une dizaine de centimètres. Vous voyez, j'ai ici, au niveau de la parementure, j'ai une couture. Voilà. Il me manquait vraiment cette longueur en fait pour faire la longueur de la parementure. Ça, à l'intérieur, ça se voit pas. Ensuite, alors ce que j'ai pas compris quand j'ai choisi les calques, j'ai assemblé toutes mes pages. Et puis, moi, maintenant, quand j'ai des calques, j'ai que ma taille, je découpe directement dans le papier. Je ne décalque pas. Et sur l'ordinateur, j'avais tout l'écran, mais pas sur. Tout l'écran n'était pas imprimé au niveau du patron. Donc, je ne sais pas. Pourtant, sur l'ordinateur, ils y étaient. Donc, je n'avais pas l'écran. Alors, est-ce que j'ai noté? Non, j'ai pas noté. Alors, de mémoire, je n'avais pas l'écran pour la coulisse d'eau. Je crois que je n'avais pas l'écran pour placer mes poches sur le devant. Il me semble que c'est. Il me semble que c'est tout. Mais bon, donc il a fallu que je tâtonne, que je mesure. Alors, vous m'auriez vu. J'avais l'écran de l'ordinateur, j'avais mis
le comment les pièces où je devais placer bah, l'écran manquant, j'avais mis à 100%. J'étais en train de mesurer avec ma règle sur l'écran de l'ordinateur pour pouvoir reporter sur mon patron parce que je sais pas, je les avais pas. Il vous faut 8 boutons au total. Moi, j'en ai rajouté 2 en plus que j'ai mis ici au niveau du repli du col. Voilà. C'est une robe. Alors, je l'avais déjà vue sur le site. Et moi, je suis quelqu'un de très visuel. Si. Le patron, le modèle est proposé dans un tissu qui ne me plaît pas du tout, qui est très bizarre, enfin voilà, je n'arrive pas à me projeter. Je n'arrive pas, vous voyez, comme les patrons, le magazine Fibre Mood. Alors là, moi, pour moi, c'est irréaliste. Je n'arrive pas à me projeter dans ces modèles, voilà. Donc, cette robe, je l'avais déjà vue. Et le tissu que la Maison Victor avait choisi, ça faisait vieillot, ça faisait pas beau, enfin, très honnêtement. Et puis, même avec uniquement le dessin technique, j'arrivais pas à me rendre compte de ce que ça pouvait donner. Et j'ai vu, alors, donc, pas son dernier bill, alors, elle appelle plus ça bilan. Ou bilan créatif, je ne sais plus comment elle les appelle. Donc, pas le dernier, mais ça doit être l'avant-dernier de Lauriane, le boudoir de Lauriane. Elle l'a cousu dans une cotonnade, je crois. Les rouges un peu bordeaux, je crois, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, ah bah oui, franchement, elle est bien cette robe en fait. Donc, bah, elle m'a vraiment donné Enfin, m'a mis le pied à l'étrier pour pouvoir la coudre parce que très franchement, j'ai pas eu l'occasion d'en voir d'autres sur d'autres vidéos. Et si elle l'avait pas cousue, je serais passée à côté quoi en fait. Donc, Lauriane, je ne sais pas, je ne crois pas que tu passes par là sur ma chaîne, mais en tout cas, bah merci parce que bah du coup, j'adore cette robe, franchement, j'adore. Donc voilà pour. Vous avez une grande ceinture. Voilà. Alors, moi, la ceinture, pour pas qu'elle bouge, je l'ai cousue. Hop. Alors, ça va être où? Là, ici, vous voyez, une petite couture, là, juste dans le milieu. Comme ça, elle ne bouge pas. Elle n'est pas plus longue d'un côté que de l'autre. Et puis, bah, si je dois la repasser, bah, écoutez, je repasse de là jusqu'à l'autre bout. Parce que là, ici, je peux le retirer. Donc, voilà. Ce tissu était vendu quand je l'ai acheté chez Mondial Tissu, donc en magasin, comme du lin. Alors j'ai bien regardé, hein, je suis retournée parce qu'il est sur le site et je suis retournée voir et c'est bien, il note bien du lin. Pour moi, c'est pas du lin, c'est du lin viscose, mais pas du lin parce que je l'ai porté, je l'ai mise et là elle est sortie de la machine, donc elle est sèche, hein. Mais pas repassé. Donc, je pense que si ça avait été du lin, ça serait beaucoup, beaucoup plus froissé que ça. Ça, j'en suis sûre. Donc, je pense que ça doit être plus du lin viscose que du lin. Et puis, pour déjà avoir cousu le lin viscose de chez DS, oui, on est vraiment sur au niveau de l'épaisseur et au niveau du toucher. Enfin, voilà, c'est le même. Donc. Pas une experte, hein, mais en tout cas, moi je dirais plus que c'est du lin viscose. Les petits boutons hop, que j'avais achetés au marché, non, pas au marché au tissu, au Tisséade d'Évreux. Voilà, pas très loin de chez moi. Hein. Quoi d'autre? Vous avez les pinces poitrine. Ah, c'est pareil, les pinces non plus, elles n'étaient pas sur le patron. Pas très facile, hein. De savoir la longueur, tout ça. Donc, pareil, hein, je mesurais à la règle sur l'écran de mon ordinateur. Donc, voilà pour cette petite robe Paula. Je l'ai quand même rétrécie de 19 cm, hein, quand même.
Donc, il faut vraiment il me semble, hein, qu'il faut au moins 2,10 m pour ma taille en 38. 2 mètres, c'est sûr. Moi, j'avais qu'un 80, donc il m'en manquait pour faire donc les parementures en ayant rétréci de 19 cm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai fait une surpiqûre sur tout le long de la parementure devant et dos. Oui, j'ai fait une surpiqûre. Je crois que c'était pas préconisé. Voilà. Hop. C'est pareil, je ne savais pas. Alors moi j'ai un problème, je ne sais jamais les boutonnières s'il faut les faire horizontale ou verticale. Alors, comme je ne savais pas, eh ben j'ai fait les deux. Celles du haut, je les ai faites verticales. Et à partir de là, en dessous de la ceinture, je les ai faites horizontales. Voilà, bon, je ne sais pas si vous y verrez quelque chose. Mais en tout cas, vous pouvez me croire. Bah, comme je ne savais pas, bah, écoutez, j'ai fait les deux. Hein. Bah, ça ne se voit pas. Enfin, perso, ça ne se voit pas. Hein. Enfin, faut vraiment. Il n'y a que vous qui le savez maintenant. Donc, je ne pense pas que dans la rue, on m'arrête pour me dire, oh, t'as vu, tes boutonnières, elles ne vont pas dans le même sens. Bah voilà, rien d'autre. Je pense que je m'en referai d'autres pour l'année prochaine. Elle est super agréable à porter. Franchement, elle est top. Donc, merci Lauriane de m'avoir fait bah, découvrir, on va dire, cette robe Paula de la Maison Victor. Allez, je vous laisse avec les photos portées. J'ai réalisé ce modèle, enfin ce patron, c'était sur ma dernière semaine de vacances où il a fait un temps de voilà. Et donc j'étais entre deux, je j'avais pas envie parce qu'on était encore fin août, début septembre, j'avais pas envie de coudre, enfin commencer à coudre des trucs à manches longues, mais en même temps, vu le temps, j'avais pas envie de me refaire je sais pas, des petites robes, des petits machins d'été. Donc, mais envie de coudre. Donc, c'était compliqué, hein. Donc, je me suis dit, ben, comme j'avais acheté une gabardine stretch chez DS, je me suis dit, bah, ben, pour la rentrée, chose que je n'ai pas mis, mais enfin, c'est pas grave, ce sera mis plus tard. Je vais me faire un pantalon. Et je me suis refait donc le pantalon jasmin des bobines patterns, donc dans une gabardine stretch kaki de chez DS. Et c'est un patron qui va de la taille 34 à 56 et les marges de couture sont comprises. Je l'ai réalisé en 40. En fait, dans le même que. Enfin, c'est le même que. Dans la même taille que celui que j'avais fait pour le test. Voilà. Alors, tac. Donc, le voilà. Tac, tac. Donc, c'est un pantalon taille élastiquée. Vous avez des poches plaquées sur le haut. Vous avez les poches plaquées aussi là, au niveau des cuisses. Et vous avez la possibilité soit de le faire jambe droite. Pardon. Je n'ai plus l'habitude de parler comme ça. Donc vous avez la possibilité de le faire soit jambe droite ou le bas élastiqué. Moi j'ai fait élastiqué. J'ai fait pas mal de surpiqûres qui ne sont pas forcément préconisées dans le patron, mais voilà. Donc, j'ai fait les surpiqûres là tout le long. J'ai fait aussi au niveau des.
Au niveau du rabat de poche, j'ai mis deux pressions. Je crois pas que ça soit prévu. Je n'ai pas le souvenir. Moi, j'ai doublé. Alors, moi, je préfère doubler les poches du haut plutôt que de faire, comme c'est préconisé dans le patron, un petit rentré à ce niveau-là. Vous voyez, ici, attendez, voilà. Ici, normalement, c'est un petit rentré qu'il faut faire. Moi, je préfère les doubler. Donc, au lieu de couper en deux fois les poches sur ces poches-là, je les coupe en quatre fois. Et puis voilà. Il va falloir que je fasse une surpiqûre sur l'élastique. Parce que je l'ai mis une fois. Et je sentais bien que quand je devais par exemple aller aux toilettes, il fallait que je fasse attention quand je descendais ou quand je le remontais parce que l'élastique, je sentais bien que par moments il commençait un petit peu à vriller. Voilà, quoi d'autre? Pas rien. C'est un pantalon que j'aime bien. J'aime beaucoup ce pantalon. Mais alors je sais pas, par rapport au premier. Je trouve que dans celui-là, alors je pense que c'est le tissu, hein, parce que c'est exactement le même, j'ai pas changé quoi que ce soit par rapport au premier, je me sens plus serrée. Ou alors j'ai pris du poids pendant les vacances. Je pense que ça doit être ça. C'est probable. Mais voilà, je sens que je suis au niveau des fesses. Voilà, il n'y a pas de surplus de tissu, si vous voulez. Donc, bon, après, voilà, si j'ai pris, parce que je ne suis pas une adepte comment dirais-je, de la balance, hein, moi, je me pèse une fois de temps en temps, mais voilà. Mais, bon, si j'ai pris du poids pendant les vacances, chose qui est pour moi, on va dire normal, on ne se prive pas pendant les vacances, donc ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Et puis bon, avec le travail que je fais, je vais, j'espère, les perdre. Donc voilà. Mais après, c'est un patron qui est simple. Si vous n'avez jamais réalisé de pantalon, bah écoutez, lancez-vous dans celui-là. Pour débuter, c'est sympa. Et puis cet aspect, enfin pas cet aspect, mais ce modèle de patron effet cargo, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce pantalon jasmin des Bobine Patterns. Donc je pense quand je vais sortir la vidéo, je sais pas, je suis pas sûre que vous ayez reçu encore vos box, mesdames. Mais voilà, c'est courant septembre, peut-être fin septembre, parce qu'il me semble qu'elles ont pris un petit peu de retard par rapport je sais pas si c'est une association, enfin les attes par qui elles passent pour faire la coupe du tissu avaient pris un petit peu de retard avec la rentrée, l'organisation, enfin bon, bref. Donc, voilà, vous allez recevoir votre box, je pense, fin septembre, vous l'aurez. Donc, voilà pour ce petit pantalon jasmin, je vous montre ce que ça donne porté. Est terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre sur cette vidéo. En tout cas, moi, ça, comme d'habitude, hein, c'est toujours le cas. Je prends toujours plaisir à vous montrer ce que je couds, à partager avec vous. Et puis, bah, écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, prenez soin de vous. Allez, ciao!